La petite patrie. Président, à moins de 3 semaines de la prochaine conférence sur les changements climatiques, on ne connaît toujours pas les objectifs canadiens. Bon, tout au plus, sait-on qu'une grande banque investissant dans les sables bitumineux a déroulé le tapis rouge pour accueillir le précédent ministre de l'Environnement. Ça démontre les liens étroits entre l'industrie et ce gouvernement. Le premier ministre va-t-il cesser de se cacher derrière les Américains pour justifier son inaction? Faire preuve de plus de transparence, Monsieur le Président, et dévoiler dès maintenant la position qui sera défendue à Cancun. Bravo. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Speaker, I'm very pleased to be asked by the Prime Minister to be the Environment Minister. Particularly the opportunity to work with my friend from the Bloc Québécois once again. That is a great privilege of mine. Listen, we're going to go to Cancun as a government, and we're going to strongly support the Copenhagen Accord. What else can we do with respect to showing leadership, particularly on getting rid of phasing out coal-fired electricity generating stations? We're going to talk about the $400 million in financing that Canada has put to fight to global warming. We're going to talk about adaptation. We're going to talk about mitigation. And we're going to continue to push to move the ball forward. Le député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Le président du Conseil canadien des chefs d'entreprise presse le premier ministre de jeter les bases d'une véritable politique de lutte contre les changements climatiques. Les dirigeants des 150 plus grandes entreprises commencent à s'impatienter, Monsieur le Président. Qu'attend le premier ministre pour écouter le Bloc québécois, les groupes environnementaux et maintenant les gens d'affaires? Qu'attend-il pour déposer un plan? Bravo! L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Je suis fier de parler de ce que ce gouvernement a fait pour l'environnement. Notre gouvernement a participé avec les négociations à l'accord de Copenhague. On a harmonisé les cibles avec celles des États-Unis. On va à l'avant avec une norme continentale pour les émissions de gaz à effet de serre provenant des véhicules noirs. On a proposé des règlements sur le contenu renouvelable de l'essence. On a suggéré un règlement sur le retraitement des eaux usées. On a travaillé fort pour l'environnement et on continuera de le faire, Monsieur le Président.